Et Myriam nous a rejoint pour la météo. Incroyable cette histoire de deal à vendre. Bon, d'abord, il faut avoir le combien, 1 680 000. Et puis la question, c'est dans quelques années ou décennies, est-ce qu'elle sera encore au-dessus de l'eau, cette île? C'est loin d'être sûr. Il y a plein d'îles en Bretagne qui vont disparaître et c'est un gros sujet là-bas. Une vraie question. Merci Sébastien, en tout cas, bonne journée. Pour le JT. Myriam, on parlait de météo, on y est. Myriam, la météo, et d'abord une alerte. Une petite vigilance, voilà, qui concerne l'Adour, oui, ouais, dans les Landes, qui va durer jusqu'à dimanche. Donc prudence, donc. Et la tendance, les grandes tendances de la météo pour les heures et les jours qui viennent, c'est maintenant. Madame, Monsieur, bonjour. Un épisode méditerranéen est en train de se mettre en place. Alors, c'est un épisode qui va durer au moins jusqu'à dimanche. On attend l'équivalent de 2 mois de pluie du côté des Cévennes et 1 mois de pluie pour le Var. Et puis, on a également une perturbation qui arrive par l'ouest, qui va donner ce matin des pluies continues. Ailleurs, vous le voyez, pas mal de nuages et de brouillard. Et puis, cet épisode méditerranéen qui se met en place en cours de matinée. Dans l'après-midi, nos remontées instables vont remonter effectivement dans l'après-midi jusqu'au massif central avec de la neige d'ailleurs à partir de 1300 mètres et notre perturbation qui va pénétrer à l'intérieur des terres, qui va donner quand même quelques éclaircies et ces pluies vont se transformer en averses dans l'après-midi. Côté température, on a encore quelques petites gelées matinales, ça concerne surtout les régions du nord, vous voyez, moins 2 à Lille, 9 degrés à Marseille ou encore à Biarritz. Et dans l'après-midi, comme nous passons dans un flux de sud, eh bien le thermomètre remonte, donc 11 degrés dans la capitale, 6 pour le Cotentin ou encore 6 à Strasbourg. Demain, on va garder à peu près la même situation, perturbation à l'ouest et puis toujours notre épisode méditerranéen avec le vent qui va se renforcer. Belle journée.